Et bonjour tout le monde! Alors, j'ai un petit peu avancé pour les hordes. Les attaques de hordes, je suis maintenant niveau 23, donc je viens de passer le niveau 22. Enfin, je viens il y a 30 minutes maintenant, là il reste 43 secondes. Mais je ne vais pas le passer tout de suite, enfin, je ne pense pas, quoique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne pense pas, parce que il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que là-haut, j'ai ajouté deux tourelles. J'en avais une ici également de la dernière fois, donc qui est un petit peu cachée maintenant. J'aurais dû la déplacer un petit peu, mais bon, ça va très bien. Et une qui est là-haut, qui est fonctionnelle, parce que la dernière fois, j'avais complètement oublié de mettre le lien avec les ennemis, enfin ce qui devait attaquer. Il attaquait absolument personne, même pas les joueurs ni les PNJ. Donc ce qui faisait que c'était un petit peu la galère. Maintenant, j'en ai 4. Le problème, c'est que par horde. Il claque quasiment 400 de munitions de balles de fusil. Bah, ce qui fait 4 x 4, 16. Donc 1600 balles de fusil à chaque fois. Il va falloir que j'aille miner, absolument. Bah, c'est ce que j'ai fait, mais bon, ça m'a déjà quasiment tout claqué. Et pour ça, il me faut des lingots de cuivre et des lingots de fer. Plus encore, il va falloir que je récupère aussi du sel. Donc c'est un petit peu la galère. En plus, il va falloir que j'alimente les autres tourelles. J'en ai pas qu'un peu, j'en ai beaucoup. Bon, va falloir que je défende. En même temps, je suis tout seul. Sachant qu'il y a des groupes de 5 ou 6 personnes, voire 7. Enfin, un groupe en tout cas. Donc, on verra bien. Mais il me faut absolument que je me protège. On verra comment ça va se passer la fois où je vais me faire attaquer. Tiens. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Enfin bon, bref, c'est pas pour ça. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais c'est pas grave. Je me suis récupéré. Ah bah tiens, il attaque l'autre machin. Bah c'est bien, il n'y en a qu'un seul qui tire dessus. Tant mieux. Mais ça me dépense quand même pas mal. Ouh là là. Ouh là là. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. L'hélicoptère est déjà à la moitié de sa durabilité. Il va falloir que je fasse assez attention quand même. Du coup, ce que je voulais faire, c'était de me faire un petit tour directement là-bas. Que j'y retourne. Attendez, je crois que j'ai point B justement. Ouh, ça sent pas bon! Bravo, Cagnotte! Toutes mes félicitations, Cagnotte! Non, mais sans déconner. Non, mais sans déconner! J'ai perdu un hélico. Bah voilà, bravo. Aïe, 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 aïe. Et non, mais ça va vraiment pas fort ces temps, je sais pas ce qui se passe. Alors, bah voilà. Il va falloir que je me construise de nouveau. Un nouvel hélicoptère, bon bah en même temps, moi qui voulais le réparer, heureusement que j'avais pas fait. Du coup, ah oui, ici, j'arrive pas à monter comme ça. Il faut juste que je fasse comme ça pour que je puisse monter, c'est un peu con. Alors, qu'est-ce qui... Non mais sans déconner. Comment perdre un hélicoptère? Ah mais non, mais attendez, je suis bête. Il y avait une solution. Bah oui. Je suis bête. Ah oui, bah là j'ai planté des cannes à sucre, en fait c'est prêt. J'aurais peut-être pas dû passer par là. Ça va. Ça passe. Faut juste que je retourne à l'hélico. Bon, en fait, il faut tout simplement le stocker, hein. J'avais pas pensé à ça. Il était où mon hélicoptère? Il est où mon hélico? Il est là-bas. On peut plonger au moins. Oui. Bah oui, tout simplement, recycler le véhicule. Bon, ça va, ça me rassure un petit peu. La connerie n'était pas si grande que ça. Enfin bon, bref, une fois j'avais perdu un véhicule, j'avais foutu dans l'eau, puis du coup je suis rentré à pied. Mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'on pouvait le recycler comme ça. Enfin bon, bref. Ça fait un petit moment maintenant. C'était dans mes débuts. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je me suis. J'ai même pas crafté, en fait. J'ai récupéré sur la horde niveau 22. Franchement, ça fait du boucan. Ça fait du boucan. Je me demande si ça sert à quelque chose, en fait, de mettre un silencieux là-dessus. Il faudra que je teste, d'ailleurs. Bon, ça, je vais jeter. Ça sert à rien. Mais là, si vous regardez bien, dommage 312. Là, on est au maximum, hein. Je crois qu'il n'y a rien qui peut. Qui peut faire plus de dégâts que ça. On verra bien en tout cas ce que ça va donner. Justement, donc, dans la zone où j'ai eu un petit peu peur la première fois que je suis passé.
On va faire un saut là-bas et on verra bien comment ça va se passer. Il y a quand même. Allez, par contre, il va falloir que j'aille me fabriquer un sac de couchage. Ah, tiens, j'ai un mur à réparer ici, un mur qui dépasse. Par contre, il va falloir également que j'améliore ma balise. Normalement, j'ai pas regardé ça. Je devrais pouvoir le faire assez facilement maintenant. En tout cas, s'il faut du certains métaux, je devrais les avoir. Bien qu'il me manque quand même pas mal de fer maintenant, il me reste, je crois qu'il me reste 200 lingots. J'en avais recrafté un petit peu, mais bon. Il me faut quand même une sacrée quantité. Mais ça, je vais pas le faire avec vous non plus, parce que bon, c'est un petit peu chiant quand même. Il va falloir que je passe 4 à 5 heures juste pour récupérer des lingots. Alors effectivement, je peux faire pop tout ça, mais bon, ça. Si je le fais, je vais me faire chier, donc. Et puis bon, c'est pas très satisfaisant quand même. Alors c'est pas satisfaisant non plus de perdre son hélico puis d'aller le rechercher comme la dernière fois où j'étais à la montagne là-haut là. Et que j'avais galéré. J'ai quand même fait pop en hélico, mais j'essaye de pas trop le faire non plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'était ici d'ailleurs que j'étais passé, hein. Non, c'était pas là, c'est où? Je suis où moi? Je sais même pas où je suis, bon c'est pas grave, faut que j'aille au point B. Non, c'était plus loin. Non, ouais, c'était là-bas. Vers les ours, juste en face. Là, par contre, j'ai pas été faire un petit tour sur la gauche là. Ah, mais l'hélicoptère, en tout cas, c'est le bonheur, hein. On a combien? 77 en vitesse. Je vais juste esquiver ça. Ah oui, et puis j'ai amélioré aussi une tour en tungstène. Pas totalement, mais ça commence gentiment. Il faut que je remplace le béton par le tungstène. Alors je pourrais me faire aussi la base là-bas, mais je crois que c'est pas très intéressant. Par contre, il faudrait que je monte encore un petit peu là quand même. Et ce sera dans cette direction. Ah oui, et puis là-bas, peut-être qu'il faudrait que je tame mon premier PNJ. J'ai encore jamais fait. Apparemment, les PNJ, ils sont quand même assez utiles. Par contre, ça va être une galère en solo. Mais là, il faudra que j'y retourne aussi dans ce village. J'avais pas pu tout fouiller la dernière fois parce qu'il y avait l'autre là qui galérait un petit peu. Celui qui balance les gros rochers. Enfin, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la base militaire. J'aimerais bien voir ce qu'on peut y looter. Donc là, je connais, hein, je m'y étais installé là-bas sur la droite. Mon ancienne base. Le dirigeable, évidemment. Ah oui, et puis il va falloir que j'aille récupérer des ressources. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'hélico ici. Par là. Bon, attention au cougar, faut vraiment pas que je meure là, c'est pas le moment. Allez, on sort le fusil à pompe. On va sortir ça. Ça devrait être suffisant, je peux m'en faire combien? Un seul. Et je peux en faire 5, c'est peut-être un peu trop. Bon, déjà, on sort faire 2, c'est déjà bien. Alors du coup, je vais en poser là. Ici, en fait, je vais directement en poser un après. On est bien dans la bonne direction là. Nous sommes bien dans la bonne direction. Et le deuxième, j'ai posé un petit peu plus haut. Comme ça, les deux ne vont pas sauter. Bah tiens, en fait, je devrais en construire 3. Faut en crafter 3. Comme ça, je suis tranquille. Oula, je me suis fait sou. Oulala. Je me suis fait souffle. Oula, mais j'y arrive pas.
C'est dingue ça. Suffisamment à voir avec ça. Je me suis fait suffisamment à voir avec ça. Pas compliqué tout de même. Alors du coup, alors là-bas on a un copain. Copain. Ah mais non, ils sont niveau 46, 47. Ben, ça va. Et j'ai fait pas tant de dégâts que ça. Il manque une balle. Non, non, non. Et non, hein. C'est bon, tiens, je te connais. Et vous savez quoi? J'ai oublié les bandages. La cagnotte qui oublie rien, c'est pas un vrai cagnotte. Ah, ok, c'est le sang du machin. Okay. Et on va le faire descendre. Loupé. Par contre, j'ai pas beaucoup de munitions parce que ça demande tout de même des lingots de tungstène ainsi que des lingots de titane. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Enfin, de plus efficace, c'est pas du titane, ça va, j'en ai beaucoup, mais du tungstène, j'en ai beaucoup qu'à se dépenser. Et j'en ai fait des feuilles d'ailleurs. En fait, j'ai plutôt prendre ça, j'ai un petit peu plus de munitions. Dessus. Par contre, il faut que j'élimine là les sergents là. Sergents de patrouille. On va vite recharger. Il faudra quand même que je garde un maximum de munitions. Lui, on va se le faire. Alors lui, par contre, il fait pas long. Mais j'ai remarqué aussi qu'à distance. Ah d'accord, c'est lui là. Quand même celui-là peut-être. On va le mettre en semi-auto. Oula, 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 oula. Cours, 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 cours. Je pensais pas qu'il me toucherait. Ouais, mais ça fait quand même pas mal de dégâts ça. C'est une bonne arme ça. Deux sur moi, ça va, ils sont trop bêtes. Allez, cette fois-ci, j'y arrive. À cette foutue base, je suis pas le même niveau. Je suis pas au même niveau. Quand même économiser un petit peu la munition parce que je sais qu'il y a du monde ici. Oula 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 oula. Calme-toi toi. Tiens, ça t'a calmé. Par contre, il me reste plus que 171 de points de vie. Il va falloir que je me calme un petit peu. Mais quelle bête je suis de ne pas avoir pris ou fabriqué des soins. Comme ça, tu vas pas me prendre par surprise. Pour ça, il va me falloir. C'était quoi d'ailleurs pour les bandages? Les bandages, je crois que je pouvais les fabriquer ici directement. Mais il me faut du ruban adhésif, de la corde. Ça, c'est pas un problème. Je pourrais en récupérer. Du ruban adhésif, on peut en récupérer dans des conteneurs. Des conteneurs, il n'y en a pas malheureusement dans le coin. Ravageur d'armes. Ça pourrait être sympa aussi. Aïe 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 aïe. Mais je vous jure, bon ça va, ma vie elle remonte quand même assez facilement. Par contre, je suis en train de perdre. Il faut que je boive et que je mange. Je sais pas si ça aide, mais je crois pas. Hein. Mais je perds du temps pour rien là, c'est quand même dingue.
Et j'ai pas l'habitude d'utiliser les bandages, hein. Si vous avez remarqué, je me déplace quasiment jamais avec des bandages. Même jamais, quoi. Ça m'est arrivé une ou deux fois, je crois, de prendre des bandages, d'y avoir pensé. Et en général, quand j'en prends, eh ben, ce n'est jamais suffisant. Et pourtant, j'en avais pris un pack de 20 une fois. Allez, 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 on y va. On va un petit peu les chercher quand même. On a 326, c'est bon, c'est remonté, on a la moitié. Il me reste combien? 56 balles, 66 avec le chargeur. Putain, mais ce son là, j'ai l'impression qu'il y a un robot qui vient me chercher. Loupé. Loupé. Voilà, ça, 2 balles, c'est réglé. Bon, 4 balles parce que je suis mauvais. Mais par contre, il me fait mal hein, quand même. Et là, j'ai peur que. Parce que ceux-là, en fait, j'ai bien fait. Est-ce que j'en ai un autre? Je vais quand même en crafter un autre. Et je vais le mettre dans le coin. Comme ça, je vais pouvoir choisir. Ah oui, mais par contre, oui, il y a une chose que j'ai oubliée. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être de reprendre une autre arme aussi. J'en ai récupéré deux en plus de ces armes-là. Du fusil de précision annihilateur. Parce que les autres, ils me foutent des boules quand même, ceux-là. Hein, les sergents. Et là, j'ose pas trop. Voilà, bah tiens. Lui, là, on va quand même. On va se le faire. Par contre, on va mitrailler celui-là. Par contre, il y a beaucoup de recul. Et là, je suis mort. Ça sent pas bon, il ne reste pas grand chose. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 61 de vie. C'était un peu chaud limite. Ça, c'est un sniper, mais je crois pas qu'il puisse tirer. Ah merde, il y a notre roquette. Faut pas qu'il me les voie. Hein. En plus, ça, c'est un mauvais copain, ça. Je sais pas s'il peut me toucher là. Si je me planque un petit peu comme ça, on va quand même essayer. Bon, c'est pas grave, au moins de là. Oh merde! Voilà, tiens, vas-y, tire-moi dessus. Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, on y va comme ça. Sont deux. Lui par contre. Et merde. Bon, vas-y, tirez-moi dessus. Il est mort l'autre? Vas-y, tire-moi dessus! C'est bien dommage. Donc du coup, le sac de couchage le plus proche. Ce serait celui-là. Faudrait que je voie quand même si les autres ils se bousillent également. Je pourrais le réparer aussi. Ah, mais non, j'ai pas le marteau avec moi. Et le marteau, je suis pas sûr que je puisse. Ah, si, je peux le crafter d'ici. Ah, mais il me faut du ruban adhésif également. Du coup, là, nous sommes à 40. Donc, je peux mourir 4 fois. Mais juste pour être sûr d'une chose, est-ce que les autres. Je ne pense pas. Non, 50 sur 50, donc ça va. Je peux mourir quelques fois tout de même. L'autre tireur, en fait, il aurait pas dû venir, c'est dommage. J'aurais pu me le faire, l'autre. Ok, allez, on retente. 60 balles. Alors ça se promène encore un petit peu. Là-bas il y en a encore un, là il y a encore un sergent. Va falloir que j'y fasse attention tout de même. Je connais pas trop son parcours. Est-ce que je pourrais me permettre de l'attirer quelque part? On va peut-être l'attirer par là-bas. Par contre, si je meurs, ça va être une véritable galère après. Hein. Ah, c'est ça, elle bouge. Alors après, il faut que j'appuie sur 4 et on va le mitrailler.
Ouf. C'est bon, tout va bien. L'autre, il voulait plus tirer. Celui-là, il me restait 3 balles. Il s'enraye ou quoi? Donc, on est tranquille avec les sergents. C'est déjà une bonne chose. Ça y est, c'est toi aussi, je m'arrête pas. Tac, 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 ça c'est bon, merci, au revoir. Qui c'est qui me tire dessus? Est-ce que je peux tirer comme ça? C'est bien possible. Oups, 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 oups. Par contre, cette fois-ci, je vais pas faire la même erreur. Ah, bah d'accord. Pourtant, je le touche, mais. J'ai pas l'impression que sa vie descend. Toujours en semi-auto. L'autre, il a pas l'air de venir pour le moment. Lui, il faudrait que je me le fasse aussi. Il risque de me déranger et puis autant se le faire tout de suite. Ah, mais c'est qu'il me descend de la vie quand même. Hein. J'étais quasiment full. L'autre, je préfère me le faire quand il est là-bas quand même. Hein. Et l'autre, il a pas l'air de vouloir venir. Elle est là. Moi, je pourrais pas le toucher. Est-ce qu'il y a un autre passage en fait? Ouais, le sniper lui m'a bien capté. Hein. Je vais voir si je peux. Ah, mais arrête de bouger! Il se cache là-bas, hein, lui. Il faudrait que je m'occupe aussi de lui, vite fait. Et j'attends juste qu'il soit là-bas, comme ça je vais pouvoir me le faire assez facilement. Soldat d'élite à fusée. Est-ce que quelqu'un a essayé de le tamer, celui-là? Si c'est le cas, eh ben, franchement... Ah, vous avez tout mon respect. 5510, je sais pas si... Oui. Je le touche. Oui, il recule à chaque fois. Ah, mais il tire quand même. Hein. Qu'est-ce que t'es là-bas? Voilà, ça c'est bon. On n'a plus de sergent sinon on en a encore un là-bas. C'est vrai que j'ai oublié de me le faire. Putain, mais ça... Ah oui, mais c'est toujours le même. Mais... Voilà, je peux... Ok. On peut les avoir comme ça. Toujours bon à savoir. On va attendre que l'autre débarque. L'autre, je pense qu'il est un peu moins couillon. Ah, il a montré le chemin à l'autre. Ok, donc je vais crever. Donc pas forcément. Oups, 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 oups. Par contre là je vois pas venir. Je tire pas sur le bon mais c'est pas grave. Bon, je descends un petit peu. Alors lui par contre. Vilain. Allez, hop. Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Par contre ça va tirer l'autre. C'était pas spécialement la meilleure des idées. On va se planquer par là-bas. Pas une très bonne vue. Mais ça va. Je sais qu'il faut. Voilà, ça fait déjà un en moins. Par contre, l'autre, ça va être une autre histoire. Je crois qu'il est toujours au même endroit. Il n'a pas bougé. C'est vraiment un couillon. Tant mieux. Ouh, allez, on va y arriver, on va y arriver. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le sergent encore là-bas. Merde. Ça va, il est gérable. Il est gérable, il me reste 58 de vie qui me restait.
Est-ce qu'il y en a un autre qui me court après ou pas? Bombe éclair. Le sniper aussi, il fait vraiment très mal. Par contre, là, je commence à avoir faim et soif aussi. On va voir que ma vie descende. Allez, on boit, on mange. Va falloir que je m'occupe aussi du sergent, mais... Et les snipers, ils font tellement mal aussi, c'est dingue. Et puis, j'ai pas crafté non plus de quoi... De quoi de me protéger en fait avec des plaques. Parce que là j'ai quoi? J'ai une plaque anti-déflux machin, mais en fait j'ai des grosses plaques que je pourrais crafter. Là c'est une plaque en fer, mais je crois qu'il y en a un qui me donne plus 8 en tout cas, voire plus 10 en défense. Que je pourrais ajouter x2 ou voire x3, il me semble. Il faudrait que j'aille tenter tout ça. On va voir s'il n'y a pas un passage possible, peut-être par là. Ah ouais. Par contre, attention au sniper quand même. Ok, hop, on va se replanquer là-bas. D'accord. Ça, c'est pas bon. On peut pas passer là. Si, non, ou pas. Ah ouais! Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, cagnotte. Et j'ai quand même de la chance, mis à part ça. L'autre il est juste à côté. Ok, je vais vite courir parce que lui va m'avoir, hein, ce petit salaud. Avec 18 de vie, il me touche une fois, c'est terminé. On va juste fuir un petit peu, allez, fuyons. Faut pas avoir peur de fuir. Je suis pas un lâche, quoi. Je tiens juste à ma vie. Semi-auto, ça c'est tout bon. Si jamais j'aurais peut-être de quoi me planquer vite fait ici, s'il débarque. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Ça c'est qu'une plante. Pas de panique. Du coup, c'était quoi ça, bombe éclair? Ah, ça les aveugle, on va tester ça. Je sais pas s'il est toujours là. Ça va. On va vite fouiller ça. Hop. Putain, et ça mélange. J'ai l'impression à chaque fois que ça se passe à l'arrière. Il est là. En plus, il est tombé. Yes. Magnifique. Ça, c'était beau, ça. Ah, d'accord. Il y en a un deuxième. Ça va être moins beau. C'est bon. Magnifique. Magnifique. Ça, il y en a encore un autre. Ça n'arrête pas, ils sont vraiment nombreux là-dedans. Me dis pas qu'ils débarquent par derrière, hein. Ok, il est là. Nickel, allez. On va peut-être pouvoir se les faire comme ça. Par contre, attention de ne pas toucher celui-là. Ok. Ouh, allez. Est-ce que je suis plus discret si je me mets accroupi? Je devrais pas trop me précipiter quand même à fouiller. Mais l'envie est là, quoi. Alors attention au sniper, s'il y en a. Là, je connais pas bien. Enfin, je connais pas du tout. Lui, on va quand même essayer... On va se le faire au snipe. Parce que je sais pas s'il va pouvoir me toucher. Ok, il va pouvoir me toucher. On va pas trop loin. Oh mon dieu.
c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça a l'air d'être ok. Résistance aux balles, ça c'est bien ça. Ah, on va même en prendre un deuxième. Ça, je suis tranquille pendant 38 minutes. Bien trop longtemps d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on a après? Là-bas, on a un sniper. 309 de vie. Je sais que lui fait vraiment très mal. 3288 de vie. Aucun dégât. Ah bah c'est pas vrai. Sans déconner. C'est des vraies balles de sniper là? C'est du calibre 50 ou pas là? Tu vois le nombre de balles qu'il lui faut quoi. En fait, c'est à distance vraiment. Ouais, alors lui, je sais pas, ça dépend. Allez, il y en a un qui va débarquer, on va se planquer comme d'habitude. En fait, on peut se mettre là, d'accord, il est là. Ça va, on s'est fait un par un. On y va tranquillement. Parce que si je meurs ici au milieu de snipers, ça va pas le faire. Hein. Parce qu'il y en a encore, il y a encore un sergent un petit peu plus loin. Et c'est lui qui craint énormément. Il y a encore un sniper normalement par là-haut. Ah ben il est là-bas. Je sais pas s'il arrivera à me choper d'ici. Il me reste quoi, 20 balles? Ouais, il peut peut-être me toucher une fois. C'est bon, je l'ai eu. Peut-être qu'il ne me voyait pas, pouvait pas tirer de cette distance. Est-ce qu'il y en avait encore un autre de snipe? Allez, va falloir s'engager. Cagnotte, ayez un peu de courage. Il y en a un là-bas, il y en a un autre là-bas. Et là, ça me paraît ok. Pas qu'il y en a qui me regarde droit devant, non c'est bon. Ok. Ça craint un petit peu. On y va, on y va. Ah, le sac a déjà disparu ici. Ah mais non, il avait bougé juste. Donc là c'est libre, ok. Qu'est-ce qu'on a par là? Est-ce qu'on a du loot? Je veux du loot. Je veux des jolies choses là. Ah bah on a un coffre. Déjà on va changer d'arme. Parce que là je vais être en panique, donc j'ai envie que ça tire. Des munitions de petit calibre, ça c'est bien. Grenade fumigène. Brouilleur véhicule. J'en ai pas de véhicule pour le moment à ce niveau-là. Mais je prends quand même. Ça va, y'a personne. Pour le moment du moins. Par contre là-bas... Il y a lui. Est-ce que j'ose aller là? Non, je pense que j'ai plutôt me planquer quelque part. Là, on a quoi? Grosse munition AP, très bien. Balle de fusil AP. J'aurais bien avoir de la munition pour sniper, par contre. Je vais me planquer ici, ça me paraît bien. Ah, deux balles pour toi. Il y en avait un là-haut, ouais, lui. Ah, oulala, il y en a plusieurs quand même, hein. Si celui-là. Par où tu pars, toi? Où est-ce que tu pars? Il me restera 14 balles après ça. Ça, on va pas toucher. Hein. 639 900. Je sais pas trop comment est-ce qu'il va falloir l'éliminer, ce
dirigeable. Par contre, ce qui craint, c'est celui-là et celui-là. Mais ça va, ils sont gérables. Ils sont gérables, par contre, je risque de... Je risque de me faire repérer, j'allais dire. Il y en a un donc, qui se promène encore là-bas, je pense. On a un sniper. Un sniper, en tout cas, un sergent et deux lance-roquettes. Ça, on peut pas ouvrir. Là, il n'y a pas de loot. Ok, j'avais vu qu'il y avait un coffre dans le prochain bâtiment. Juste là, il y en a même deux. On y va, accroupi. Alors ça, pistolet de chasse-renard, raquette HE et balle de tireur d'élite. Merci beaucoup. Caisse de plans, ça on va prendre. Ouais, il y a beaucoup de... Ah oui, des plans comme ça, d'accord. Ça c'est pour le ravageur, d'accord, mais pourquoi pas. Fusil d'assaut bandit, ça j'ai mieux. Et puis lance de fer, on s'en fout. Et là, je commence à avoir quand même énormément de plans. Donc là, je commence à prendre que les plans vraiment qui en valent la peine. Donc là, ils sont deux, les deux pareils, d'accord. Donc on va les attirer avec le sniper. Et puis on va se mettre à un endroit où ils ne pourront pas spécialement me toucher. Après, on va aller un peu au contre-bas. On va les attirer tout simplement. Genre lui. On va voir. Alors ils font le tour, ils doivent faire le tour par là-bas, je pense. Non, il fait le tour ici. Non, ça ne sert à rien. On va bientôt tirer, je pense. Parfait. On va tirer le deuxième. Sur celui-là. Ok, il me reste quasiment plus qu'un chargeur. Hein. On va juste les utiliser pour les attirer. Merde, il vient à deux. Ça, c'était pas prévu. Ok, je vais rester un peu à distance. Normalement, ils vont pas repop tout de suite. J'ai 60 balles. On va en profiter. Voilà, c'est parfait ça, nickel. Donc là on est bon, qu'est-ce qu'on avait après? On va remettre le chargeur avec une balle après de côté. D'accord, donc là on a un gros copain. Lui, en revanche... Ça va être un peu chiant. Je crois qu'il tire de plus loin. J'espère qu'il débarque aussi par là, nickel. Par contre, il faudrait que je tire. Il faudrait que je me fasse le sergent avec. Avec cette arme. Tombe, tombe. Merci. Non, ça se passe relativement bien cette fois-ci. On a quoi? On a 39 minutes. Allez, donnez-moi des choses bien là, s'il vous plaît. Tiens, vas-y, je vais prendre ça aussi. On va prendre tout ça. Ça. Oh, il y a encore du monde hein, là-bas. C'est qu'il y a encore du monde! Lui, on va l'attirer. Comme d'habitude. Peut-être que je devrais me le faire d'ici, en fait, tout simplement. Ah ouais. Alors lui, par contre, il tire à distance. Hein.
est où? Ah, il est bien là. Ah, par contre, faut vraiment viser juste. Je suis un petit peu loin, mais je suis assez sécurisé ici. J'ai cru qu'il allait vraiment me tirer dessus. Bon, en même temps, il faudra quand même qu'il règle ce problème. Parce que je pense que c'est une zone qu'on ne devrait pas pouvoir faire seul. Et il me reste quoi, 139 de munitions? Ouais, j'arriverai pas à le terminer, malheureusement. J'ai juste reçu un message. Est-ce que c'est par rapport à mon rendez-vous? Non, rien à voir. Parfait. Oh là là, ça n'arrête pas. C'est jamais, ravi de voir. Non, c'est bon, ça n'a rien à voir. Du coup. Donc, il y aurait lui. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il fout là, le puma, là. Ouais, manque plus que ce con. Il faut juste que je mange vite fait. On a quoi, 41 minutes, est-ce que j'arriverai à le terminer? Bah, je vais quand même insister. J'aurai plus de munitions, mais c'est pas grave. Après, il va falloir quand même que j'aille en œuf me faire... Ah ouais, encore un... Oh là 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 là. Par contre, c'est sniper qui craint. Le sniper, ça va être compliqué. Parce que j'ai plus assez de balles de fusil. De fusil de précision. Ah, et puis encore un petit salopard là-haut. Ouais, bon. C'est dommage, j'aurais bien voulu tout faire. Mais là, ça craint un petit peu. Je sens que je vais vraiment galérer. La prochaine fois, je saurai que je viendrai non seulement avec des bandages. Mais en plus, il va falloir quand même un petit peu plus de... De munitions. Hein. Il tire de là-haut, lui. Ah, il y en a encore deux. Oh là là, mais c'est qu'ils sont vraiment très nombreux ici. Allez. Ok, on va les attirer comme ça en fait, j'ai essayé de... On va quand même aller là-bas au cas où. Mais s'ils repop, ils vont repop d'abord ici, ça me paraît quand même assez logique. Là, où est-ce qu'il part lui? Là-bas. Est-ce que j'arrive à l'éliminer avant qu'il me tire dessus? Non. À gauche ou à droite? Moi, je pense plutôt à gauche. À droite. Là, c'est pas grand-chose. Ouais. Ouais, j'aurais dû appeler quelqu'un quand même. Je sais pas si X-Trail est toujours là. Ouais, il est souvent connecté. J'aurais peut-être dû l'appeler en fait pour qu'il vienne avec moi. Je suis sûr que tu vas regarder cette vidéo, je suis désolé. Bah écoute, pour la prochaine fois, si jamais. C'est vrai que je te tiens au courant. C'est une mauvaise idée. Allez, là, c'est bon. On a qu'à 43 minutes, dis donc, il me faut du temps quand même pour éliminer un peu tout le monde. Et en plus, c'est que je m'approche pas assez vite, donc du coup, j'ai quand même des loot. Je perds du loot, mais attention, parce qu'il en reste encore, là, des mitrailleurs. Ah, et puis en plus, on est à l'entrée, là. Par contre, vous m'expliquez comment est-ce qu'on je rejoins... Il y a une échelle, en fait, à quelque part. Comment est-ce qu'on monte là-haut pour récupérer le coffre? Comment est-ce qu'on récupère ce coffre? Est-ce qu'il faut jouer à Super Mario quoi? Ah, va falloir m'expliquer. Alors je vais réussir à faire quelque chose ici. Par contre, le sniper, il doit rigoler, lui.
Bon, allez, on va se faire comme ça, on va essayer. Le puma, c'est normal? Non, le loup, c'est normal qu'il soit là-haut, là? Bon, apparemment, le sniper, il ne me voit pas. Voilà, merci. C'est quoi ça en bas? Okay, on va pas trop s'en occuper. Le loup, il marche tranquillement là-dessus, pas de problème. Lui, par contre, il craint un petit peu le sergent là. Ah bah tiens, il y a lui aussi. Lui, on va se faire. Donc, je vois pas sa vie là. Je sais pas combien il a. Il a tombé, parfait. Ouais, il me reste peu de munitions là maintenant. Ça craint juste pour le sergent là. Je suis pas sûr d'en avoir suffisamment. Donc j'ai 150 balles ici. Je pourrais le mitrailler avec ça, le terminer avec celui-là peut-être. Mais c'est pas certain. C'est pas certain. On va quand même essayer de s'en approcher un petit peu. Ça y est, ça y est, ça y est. Vite, cours, 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 cours. Retourne là-bas. Retourne là-bas, vite! Cours! Ah ouais, ok, on se barre. Là, ils sont deux et j'ai pas assez de munitions là. Je suis pas sûr que ça va le faire. L'autre est en train de recharger, tant mieux. J'ai pris la distance par rapport au mitrailleur. Ah ouais, pas plus c'est le gros là, d'accord. Bon. Normalement, ils sont deux après moi. Allez, on va se faire les deux, hein, puis voilà quoi. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, il me restera moins d'un chargeur. Mais je mets trop de balles à côté là, ça va pas du tout. Ok, allez, j'ai juste récupéré les loots. Il reste 44 balles ici. Et je suis sûr que j'ai pas terminé. On va juste aller voir un petit peu comment ça se passe. Juste pour voir également si ça repop à droite. Pour le moment, ça n'a pas l'air. Bon, moi j'aurais récupéré un petit peu. Là, ça va, des éclats d'éther. Je vais pouvoir aussi tout prendre maintenant. Il me manquait un petit peu d'éclat. Est-ce qu'il y a du loot ici? Arbalète en acier. J'en ai jamais crafté, donc tant mieux. Ah bah ouf, ouais mais là je commence à être prêt. Puis lui il plaisante pas parce qu'après il campe le corps ce salaud. Donc c'est ça qui m'inquiète avec celui-là. Et puisqu'il m'en met... Ah mais peut-être que je peux passer par là. Bah oui, voilà le secret. Ouais ok, ah mais c'est vrai que j'ai aussi ça moi. Et puis là j'en ai 311. Au final. Mais par contre, il faut qu'il soit proche, et c'est justement ce que j'aimerais éviter, qu'il soit trop proche. ah ouais, puis en plus, attends, parce qu'il devrait encore y avoir du monde là-bas. Il n'y a pas un sniper aussi quelque part là-haut? Je crois. Est-ce que je le tente? Et au pire, au pire, au pire, au pire, au pire, non, rien du tout. Bon, j'ai quand même 150 balles là. Non. Ici. Est-ce que ce sera suffisant? 7 balles ici. Il est passé où? Allez, on va le tenter. C'est celui qui me pose le plus de problèmes. Donc après, ce sera 4. Allez, c'est parti. On dépense toutes les munes. De ça. Ça va, ça a été facile finalement. Comme par hasard. Au moment où je voulais arrêter. Enfin bon, allez. Du coup, on va quand même voir maintenant qu'il n'y a plus de sergent là. Juste voir ici parce qu'il me semble que j'avais vu un sniper. Saloperie, tu me fais dépenser de la munition!
suis un peu bête aussi, j'aurais pu utiliser ça, mais enfin bon bref. Je vais faire le tour par là plutôt. Attention quand même, ouais, il y a bien un sniper, c'est bien ce qui me semblait. Les 44 avec ça, je pourrais peut-être éliminer. Ouais, par contre, il va me tirer dessus. Ouais, faut ça jouer un peu comme ça. Je pense que ça peut le faire. Juste un peu à me concentrer, que je dépense pas trop de munitions. J'ai pas de mauvaise surprise. Ouh là là, oui, mauvaise surprise, il va y avoir sûrement. Est-ce que je peux monter là-haut? Aïe aïe aïe, non, je pense pas. Quoi qu'il y a peut-être ici. Non, je peux pas. Non, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fout là? Ah, ça commence à rap-up. Ok, bon, c'est foutu. J'étais un petit peu trop lent. Mais en même temps, il y a tellement de monde. Donc ouais, là ça wrap up, là je vais avoir de mauvaises surprises. Au moins c'était bien essayé quand même. Mais c'est vrai que là je pense qu'il faut quand même être deux. Voilà, là ça vient de wrap up, ici. L'idéal ce serait deux minimum quand même pour ce genre de base. Ou alors y aller un petit peu plus à l'arrache. Avoir aussi un meilleur stuff, un meilleur équipement justement pour la résistance. Parce que là je suis un petit peu limité je pense en résistance. Mais ça aurait juste pu le faire. Par contre je voulais tester aussi... la bombe éclair, on va juste voir en fait, comme ça. Ça par contre c'est pas indiqué comme les bombes. Ah si, c'est indiqué comme ça. Ok, ouais, c'est les aveugles. Un flashbang. Voilà, ça va, mon hélico est là-bas. J'aurais dépensé quand même pas mal de munitions, mais au moins j'ai réussi un petit peu à avancer. J'ai pas récupéré grand chose, mais... Putain, mais c'est la musique qui me fout les boules. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche derrière moi. Allez, cette fois-ci, je vais retourner à la base. Et puis, je vais rester là pour aujourd'hui. Il faut aussi vite fait que je prenne une photo. Ouh là là, j'ai oublié pour la miniature, la photo. Je vais la prendre, en fait, juste après. En tout cas, je vais vous laisser ici. Comme d'habitude, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.